Il faut savoir que les femmes représentent 4% de la population carcérale. Elles sont 2 millions de femmes de la prison de femmes. Prison de femmes, c'est d'ailleurs le titre très intéressant, le livre très intéressant de notre consoeur Hélène Mathieu de Maricor. Elle a visité 4 centres de détention et a pu rencontrer des détenus, des surveillants, des éducatrices, des directeurs. Bref, elle nous apporte un témoignage qui étonne et qui dérange. Alors, Hélène Mathieu, on parle beaucoup des problèmes en prison, c'est souvent les prisons d'hommes. Donc la question, c'est le problème de la violence, le problème de la population, de la sécurité, le talibans, le talibans. Est-ce qu'on trouve à peu près le même problème chez les femmes? En gros, en tout cas, la surpopulation, oui, exactement de la même façon que chez les hommes. La surpopulation est la même chez les femmes. La violence est différente, sans doute, c'est moins importante dans les prisons de femmes que dans les prisons d'hommes. Elle existe parce que la prison est tellement plus que forcément plus de tension. Mais en tout cas, comme le problème essentiel aujourd'hui est celui de la surpopulation, on peut dire qu'elle est exactement, qu'elle se présente de la même façon que les femmes que dans les prisons d'hommes. Alors, dans votre livre, vous nous donnez beaucoup d'exemples. Vous avez fait 4 centres, c'est ça. Un Rennes, qui est un centre de détention. Rennes, qui est très particulier. Deux maisons d'accueil, et puis également le centre de Bonnard. C'est des femmes. Alors, on a l'impression que la séparation avec les familles est quelque chose de plus difficile à vivre pour les femmes que pour les hommes. C'est pas difficile pour les hommes aussi. Mais je crois que la détention est plus difficile à vivre pour les femmes. Certaines éducatrices m'ont parlé en me disant que les femmes vivent moins bien l'incarcération que les hommes. Alors, les raisons sont sans doute multiples. Une éducatrice m'a dit on n'a jamais joué au foot, on n'a jamais fait l'exercice militaire, on n'est pas habitué à vivre en groupe, et une femme vit très mal en groupe dans un monde tout comme ça. Donc, la détention est très difficile. Et souvent, les femmes sont séparées de leurs enfants, ça c'est quelque chose, c'est une douleur immense pour les femmes de prison, puisque la moyenne d'âge est de près de 32 ans, donc ce sont des femmes qui très souvent ont des enfants dehors, et ça le dit très mal. Et donc, plus de suicides chez les femmes, chez les hommes. Plus d'automutilation, très peu de suicides, beaucoup de suicides réussis, beaucoup de tentatives de suicide, beaucoup d'automutilation, beaucoup de dépression, beaucoup de prise de médicaments, et beaucoup de gradataires, beaucoup de femmes qui vivent une soumission totale à tant d'incarcération. Et il y a pourtant la télévision qui est introduite dans les prisons de communauté. Vous pensez que ça a changé quelque chose? C'est énorme. Je pense que c'est une amélioration fondamentale, puisque tout d'un coup, les détenus ont une fenêtre sur dehors. Et ça, c'était très important, parce que si la prison doit réinsérer les gens dans la société, c'est difficile de se réinsérer dans un monde qu'on a oublié, puisqu'on est totalement exclu. Tout d'un coup, il y a une image de l'extérieur. La population carcérale féminine, quel genre de personnes, qu'est-ce qu'elles ont fait? À peu près la moitié des détenus hommes ou femmes sont des toxicomanes. Déjà, c'est une population récente qui explique un petit peu la surpopulation de prison actuelle. Sinon, la majorité des femmes sont ce qu'on appelle des femmes détenues, sont ce qu'on appelle des voleuses de poules. C'est plutôt des femmes qui ont fait une petite escroquerie, qui ont un petit gaz, un petit vol, sauf au centre de détention de Rennes, qui est une seule centrale de femmes, où les femmes subissent de longues peines, donc sont des délits plus importants, et en particulier ce qu'on appelle les crimes familiaux. Les femmes font beaucoup de crimes familiaux, beaucoup plus que les hommes. Est-ce que pour les surveillants, surtout, est-ce que c'est plus difficile à tenir une prison de femmes, une prison d'hommes? Est-ce que la réponse est disciplinée? Est-ce que mieux chez les familles? Beaucoup moins. La preuve, les prisons femmes sont souvent entourées de rebelles. Donc elles sont considérées comme moins dangereuses. C'est vrai que c'est une population qui est moins dangereuse pour le personnel, mais c'est une population qui est aussi tellement soumise qui n'a pas de révolte qu'on peut penser que la réinsertion sera plus difficile. Il y a un passage tout à fait étonnant dans votre livre, quand on a remarqué ça, c'est qu'il y a des cellules pour les femmes qui ne veulent pas sortir. Elles ont terminé leur peine, mais elles ne veulent pas quitter la prison. Ça arrive, non? Ça arrive, oui. Il y a plusieurs cas de figure. Il y a certaines femmes qui ont fait une courte peine, par exemple, qui doivent sortir un vendredi soir, qui ne savent absolument pas où aller. Donc elles demandent à rester moins jusqu'au lundi pour pouvoir trouver un lieu pour dormir. C'est un vrai problème de l'insertion. Surtout pour les femmes. Bien, Hélène Mathieu, merci beaucoup. Prison des femmes, c'est le titre de votre livre. Qui est édité chez Marabout.